Guarda la ubbidita. Lascia le palle. Non è perché 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 non è. Est-ce qu'on arrive à le tirer là? Les antiquités orientales. Alors le poste, monsieur. Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur. Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, il faut voir avec le directeur du Louvre, madame. Je vous communique son numéro. Hein. Alors vous allez appeler le 40 20 50 10. Et c'est monsieur Laclotte Michel, le directeur du musée du Louvre. Là, je vais occuper le poste. Vous patientez. De TE. Vous pouvez pas me dire ce qu'il faut faire. Je vous en prie. À vous, madame. C'est pas bon.
si vuoi la chercher. Voilà. C'est super. Dans la réserve qui est là, alors, ces tableaux-là, parce qu'on ne peut pas les mettre dans les salles définitives. Ouais, doucement. Doucement. Attends, passe-moi. Ouais, c'est bon. Alors attendez, maintenant, on lève. Bon, prenez-les, tu bouges plus. Nous, derrière, on se ramène. Mais écoutez, on se ramène par là. Hein? Allez. Attention à la barre, vous. Posez. Le faire dégager en haut pour pouvoir mieux tourner là-bas. Oh, dommage que c'est pas plus près. Ah, ça, c'est trop beau. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire?
Pas toujours le monde, tu vois. Pour pouvoir le dégager plus par là, pour pouvoir tourner. Cette porte-là, tu peux la dégonder, celle-ci. Celle-là, on peut la dégonder, celle-là. Bon, bah, juste. Mais ça passe pas, regarde. Ici, à cause de là, jusqu'à là, ça passe. Vous caillez, hein? Vous avez juste à tenir, hein? Attendez, chaque chose s'entend. Vas-y, hop! Mettez-le bien. Non, allez, à 20 kilos. Attends. Allons-y, on va. Allez-y, devant. Encore. À 20 kilos. À 20 kilos, toujours. Allons-y, doucement. Dans l'axe du chemin. Dans l'axe du chemin, toujours. Ah, c'est bon, comme les jeunes filles, là. Allez-y. Non, c'est pas bon, ça. Non, mais ça, c'est les numéros qu'on a vus. Ah, et un pied, là. Un charme au pied et un cheval. Il y a bien deux chevaux. C'est bien le départ, hein, ça, c'est... Ça a bien l'air, hein, de... Le départ, le début, il est là. Là. Doucement, regardez bien. Hein. Hop, c'est le tissu, du coup. Ouais, on ne trouvait plus rien. Hein. Ah oui, mais là, la peinture vient avec. Il y a du moisi. Ouais. Ici, c'est du moisi. Ici, c'est moisi. C'est la colère. La peinture vient avec. Et puis, c'est même bien moisi. Hein. Oh là là. Mais c'est le bord bas. Hein. Allez, bien droit, bien tendu, et retenez le rouleau. Retiens le rouleau là, Roger, retiens-le. Allez, on fait glisser doucement. Retenez le rouleau, hein, surtout. Hein. Pas de pli, surtout. Hein.
pas boutonner les godasses, monsieur. Hein? Il faut boutonner les godasses, là? Là, vous boutonnez les godasses, oui. On va pas avoir chaud avec ça. Comment vous n'allez pas avoir chaud? Vous allez avoir trop chaud? Oui. Ah bon? Faut dire. Bon, je les boutonne, je les boutonne. Ah, entièrement, regardez ce mannequin, monsieur. Ah non, c'est trop large. Hein. Comment c'est trop large? Je me suis pas vu monsieur, dans les miroirs. Avec Mont-Saint-Laurent. On dirait Napoléon, hein? Non, ne venez pas tous ici pour vous habiller, mettez-vous dehors. Non, mais c'est... Wow. Attendez, attendez, faites voir, vous, qu'est-ce que vous faites avec ce pull, là? C'est comme ça que vous essayez? Mais bien sûr, monsieur, c'est en chemise et cravate qu'il faut faire l'essai, non pas avec un pull de sport d'hiver. Merci. Faites ce que vous voulez, moi je vous dis, il faut faire l'essayage comme il faut. Ok? Pantalon, chemise, cravate et veste. Ça tombe toujours bien. On dira que le personnel du Louvre est mal habillé pour faire l'essayage comme il faut. C'est ça, pas une chemise. Non, ça va. Bon, ça va, chef? Comment? Et la chemise? J'ai pas de chemise, j'ai ton pull. Il y a un problème là. Oui, il y a un gros problème. Ouais. Non, non. Il faut vous habiller comme il faut. Comme si vous sortiez le matin pour aller travailler. Oui. Oh. Voilà, vous habillez comme ça. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai qu'un pull alors. Il n'a pas pris de chemise. Voilà, j'ai pas pris de chemise alors. Oui, ça va être boulot. Faut voir sur les boîtes. Ah, vous les noms sont marqués en principe. Vous êtes bien dedans? Oui. Comment vous la sentez sur la tenue? Un peu large. Oui, mais ça, c'est pas ajusté, hein. Oui, mais bon, ça fond, voilà. Oui, voilà. Faut que ça fasse comme ça. Oui. Voyez-vous? Oui, oui. La longueur des manches, c'est bien? C'est bien, j'ai toujours un peu les bras. D'accord, la longueur de la tunique, c'est bon aussi. Donc, bon, okay. Juste la ceinture, bien et, sûr. Et, vous et allez la pochette? Alors, vous allez avoir des ceintures, hein, quand même. Ah bon, quand même. C'est bien. Ceinture, pochette, pull. Oh là là, aidez-nous dans les cheveux. Avec des petits bonnets. Mon pantalon, où il est passé? Je sais pas, mais je l'ai mis là. Mais non, il n'a plus mon pantalon. Ici, avec le... Il faut que tu enlèves tout ce que tu as. Montre-moi ma fermeture. Ça se met sans rien en dessous. Hein. Montre ça. Voilà. Est-ce que je suis bien avec lui? Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de glace. Dites-moi si c'est bien. C'est chouette, hein? La classe, hein?
colonne, par exemple, avec ça et ça. En y encadré par les deux du puits. Parce que ça supporte... Oui, c'est assez différent. Sauf que ça va charger beaucoup. Franchement, allez. Ah, puis attention, il manque le dernier. J'ai fait un souverain. Un souverain naturellement, je te dis. Trop jeune. Oui. On peut mettre vêtements, ces trois-là, en brochette, hein. Il y avait une confusion avec l'autre, avec le petit. D'après le fichier de Sully, il n'y est pas, ce que je comprends pas bien. Si, on pourrait faire là une... Non, c'est pas très bien. Bon, alors, bordons tout seul là. Une colonne bordant.
je vous ai dit ce matin que ce genre d'extincteur-là, eh bien, en partie aussi au tremblon, là, il fallait éviter de mettre la main dessus parce que comme c'est du froid qui sort, ça sort à environ moins 80 degrés. Donc si vous mettez la main dessus, vous risquez d'avoir collé. Hein. Ça brûle pas, mais ça colle. Donc pareil, même principe, j'utilise mon extincteur, je m'approche et je l'éteins. Et vous voyez, là, c'est là où on s'aperçoit. Regardez comme il est blanc, là. Hein. Regardez comme ça givre, là. Là, on peut mettre... Éventuellement, on pouvait mettre la main dessus, mais on s'aperçoit que ça colle, regardez. Là, on s'aperçoit que c'est givré. Ça sort aux environs de moins 80. Bon, là, il n'y a pas de risque. Mais c'est pour ça, les gens, lorsqu'ils l'utilisent, on évite... Regardez les gars, comment ils se collent dessus, regardez. On essaye un petit peu pour voir s'il y a de la pression quand même, s'il y en a encore dedans. Ouh, c'est bien. Hein. Ah oui, voilà, attends. En bas, à la base des flammes. Allez, ouh dessus. Là là, c'est dur. Hein. Hop, c'est bon, c'est bon. Eh bien, vous savez, c'est plus dur que de la machine à eau. Hein. Vous voyez, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait éteint là. Hein. Hop, c'est bon.
Un Blanchard qui est plus réaliste, mais c'est absurde, ça prend beaucoup de sens. Vous dites quand il arrive par terre. Ce que dit ça, on voit pas très bien. Je me dis quand tu vois le médaillon. Non, mais oui. On va jusqu'à par terre. Ouais, c'est compliqué. Je vais quand même faire un essai comme ça. Bon. C'est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'en bas, c'est pas éclairé. Bon, t'es où? T'es là? Ah bah dis donc. Alors ça, pour être minuscule, c'est minuscule. Bon. Ça. J'ouvre et paf.
Est-ce que vous avez toutes les fiches des vases? Parce que ça ira. Bon, vous pouvez me leur m'en donner d'autres? Alors, 29-10, vase de forme et 10. 29-10, ok, oui. J'ai. Ensuite. Alors, enfin, j'ai fait des saints, sur la poussière. Oui. Ensuite, la Vierge et l'Enfant de Guy Berti, attribué. Hein. Statuette terre cuite. Ah, ça, ça a été cassé par un visiteur à la fin du 19e. Ah Prince Lagide. Oui, c'est un MF-1362. Il a un numéro gravé? Non. Le rond de lequel? La Carache. Le Carache, il est chez les Marbriers. Il doit être là-bas pourtant. Il y en a un que je sais pas qui c'est. Laetitien, il a une longue barbe et un petit bonnet. Mais celui qui a une longue barbe et un petit bonnet, il est marqué, c'est le dernier 26 mois, soi-disant, dit l'étiquette. Dit le collier. Ce que je croyais moi être le Laetitien. Et vous avez. On a aussi le moite de. Oui. Le dernier 26 mois, c'est des choses qui ont été rapportées de Fontainebleau. Ben oui, mais tous ces peintres se ressemblent beaucoup. Et j'ai un artiste en trop qui a une belle médaille d'or. Ah, si, c'est Titien qui a une médaille d'or. Oui, mais il n'y a pas de bonnet. Ah, il n'y a peut-être pas de bonnet. Je ne sais pas, mais la médaille d'or, je crois que c'est Titien, parce que vous savez, il avait été décoré par Charles Quint. Non? Là, j'ai un buste en bronze, je ne sais pas qui c'est. Donc. Alors, c'est un en bronze. Et je finis cette étiquette et je suis à vous. On peut pas monter un peu? Faut quand même le monter, faut tricher d'un centimètre, voilà. Non, c'est pas un petit ensemble sinistre. Oui, ça, pour le moins. C'est un peu ici, c'est. C'est pire. Non, là, il y a une cohérence. Le cadre, c'est plus. Oui, mais justement, ça aurait peut-être fait partie. Non, parce que ça aurait fait paraître le cadre du milieu encore plus. C'est trop ça. Faut baisser à gauche. Voilà. Là, sur ce fond, le cadre, l'a fait assez chic. Ouais. On le laisse mettre là ou on le fait mettre plus haut tout de suite? Ça va être très rétabli par les deux autres qui sont très verticaux. Oui, tout à fait. Le dernier, la faisait. On a l'impression de se soulever. Oui. Il faudra trouver un système, effectivement, pour que, peut-être un peu moins enfoncer les clous. C'est pas mal. C'est bien, bravo. Oui, ça va. Il y a un doute, toi, tiens. Voilà. Attends, il est où? Ils sont repartis, eux. Oh. Il n'y a plus personne. Où ils sont?
T'as qu'à remettre l'alarme, ça les fera venir.
go. Là, il monte pas là, il monte personne là, il monte pas. C'est bon, c'est bon. Champignons, moi. Donc là, je vais vous faire voir le fait, disons, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, je vais vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Je lui pince quand même le nez, je lui ouvre la bouche. Eh bien, il n'y a rien du tout. Aucune amplitude, pourquoi? Parce que je n'ai pas fait les gestes, les premiers gestes qu'il fallait faire. C'est-à-dire les premiers gestes, eh bien, on arrive, eh bien, je la dégrafe, je vérifie si il n'y a rien qui obstrue justement la bouche. S'il y a quelque chose, je l'enlève. Et ensuite, je lui fais une bascule pour une dent arrière. À partir de ce moment-là, je l'ai mis bascule pour une dent arrière. Il me suffit après de lui faire le bouche à bouche. Alors, je lui prends le nez, je tire et vous allez voir. Vous avez vu que c'est quand même efficace. Donc ça, c'est pareil au rythme de la victime. Lorsque la victime respire quand même, je lui fais une ventilation assistée. Dans le cas où elle ne respire plus du tout, on fait une ventilation contrôlée. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire sur le bouche à bouche. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors ça c'est Anne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ma collègue. Ma collègue de travail. Thank you.
mets ta main devant, Gégé. Oui, voilà. C'est bon. Et même avec mais 60, alors essaye une 75, on va voir la différence. Alors, et, la 75 watts, ça va changer tout. Hein. Bah, tu parles, il y a une sacrée différence dessus. Non, elle savait pas si elle allait la mettre. Ah bon, alors on la met pas, alors. Ça, tu peux mettre, monsieur. Ah, mais attends, je vais lui demander. Elle est très creusée et... Bon, elle est évidemment recouverte d'une patine qui la dessert énormément, énormément. Mmh. C'est une patine... C'est une patine 19e qui doit dissimuler un certain nombre peut-être de petits accidents. Il y a un accident, le pied. Ouais. Le pied, bon, là. Je vais mettre un beau cachet dessus. Et je vais faire la photocopie pour les archives. Et elle est de votre famille depuis longtemps? Moi, je suis marchand. Ah d'accord, donc elle est passée entre vos mains. Ouais. Et vous ne connaissez pas du tout, pas d'idée vraiment de non, aucune idée. D'enlever la poussière sans toucher à l'œuvre. C'est un peu long, mais c'est... C'est trop fragile, non, simplement le bois. Thank you.
on n'en sort pas. C'est la salle la plus fréquentée. Avec la Joconde. On avait dit qu'on enlèverait des tableaux sur le côté et qu'on passerait tout de même. La salle est comme ça. Il ne faut pas que je dans mon rang. On rentre par là, on rentre par là, on sort par le petit doigt. On avait dit qu'on enlèverait des tableaux. Vous savez, l'instrument de musique va être jaune citron, ça veut dire que... C'est la couleur véronaise par excellence, ce genre de jaune, ouais. Surtout le jaune de la veste. Oui, tout à fait. Oui, c'est jaune de Naples. Il y a quelques verres véronaises, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Là-bas, ça. Oui, ou là-bas. Ce verre-là. Mais ce qu'on appelle le verre véronaise, je crois que c'est un verre un petit peu plus froid que ça. Pour moi, verre véronaise, c'est plutôt le verre de la bière. Oui. Je vous ai dit que c'était Charles Quint, celui en rouge. Extraordinaire. Vous aviez déjà vu le portrait tout à fait en haut à gauche, au-dessus du chien? Non, absolument. Incroyable. Pas. Incroyable. Les parties supérieures n'ont jamais été photographiées. On prenait toujours des détails du bas. C'est presque plus beau que tout, c'est l'espèce de guirlande de jeu de silhouette au-dessus de la balustrade. On peut d'ailleurs se demander s'il n'était pas accroché un peu haut. Ça, il faudra en effet étudier ça plus sérieusement quand on repart la salle. Est-ce qu'il faut mieux montrer le beaucoup de tableaux et au risque que le public soit un petit peu perdu, ou est-ce qu'il faut faire vraiment une sélection, mais à ce moment-là, le résultat, c'est que la moitié des poussins restent en réserve. Vous voyez, on est toujours un petit peu entre ces deux attitudes. Oui. Je crois qu'il faut faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire essayer, quand on a l'astronome de Vermeer ou la bête Sabée, les montrer quand même dans une salle de façon qu'il soit un petit peu évident que les gens se dirigent vers l'œuvre en question. Mais d'un autre côté, ne pas hésiter à montrer qu'on est riche. Donc vous verrez, les salles du second étage, là, enfin, c'est un petit peu moi qui m'en suis occupé. J'ai plutôt mis beaucoup de tableaux. les poussins, ils y sont tous. Alors ça veut dire, dans certains cas, il y en a qui sont en second rang. Ça veut dire que les gens qui sont un petit peu fatigués, qui sont dans le Louvre depuis deux heures, ils sont un petit peu effondrés et ils disent qu'il y en a trop. Mais je crois que le Louvre, c'est une espèce de grand, énorme livre qu'on consulte plusieurs fois. Enfin, on revient. Donc il vaut mieux que le menu soit un petit peu abondant, que la carte soit abondante et qu'on choisisse avec plusieurs visites. C'est tout le problème. Si on considère que le Louvre est fait pour les touristes, alors à ce moment-là, il faudrait mettre la Vénus de Milo, la Joconde, le Régent, presque isolé. Et puis, tout le monde serait très content. Les gens seraient ravis. Ils auraient beaucoup moins d'efforts intellectuels à faire, marcheraient moins. C'est épatant. Mais je crois qu'il faut qu'on montre les collections.
toujours dans la salle 18. Donc, 1000 Hz. C'est prêt? Ouvre les yeux. Je vais avec toi, qui arrive. Ok, ouvre les yeux. D'accord. Bon, on va le coquiller. C'est bon, là, au milieu? Prêt. Attention pour lever. Levez. Attention pour poser. Posez. Levez. Lustrage là-bas, en priorité, et les coins. Ouais. Hein? D'accord. Ensuite, tu me bipes, comme on puisse mettre la grande machine ici en route. Ouais. Ok. On va passer la monoboîte là-bas. Ah oui, il faut faire les paliers, il faut faire les deux petites salles. Ah. Et puis la grande si on a le temps. Sinon, on le fera avec les grandes machines. D'accord. C'est ouvert les grilles? Ah oui. Vous avez ouvert? Donc, on va faire lustrer les escaliers, les paliers. Mm-hmm. Puis on va essayer de déplacer la machine. Là, on va... Ça va pas aller plus vite. La machine? Bon, les bords, tout ça, c'est du poussiéré. Bon, ils sont à combien sur les monobrosses? Deux. Deux? Ouais. Bon, c'est parfait. Un de chaque côté, hein. Je vais pas les deux, ouais, hein, deux bah, oui. Un de chaque côté, sinon... Et vous pouvez pas m'avoir une monobrosse, hein? Écoute, on est à court ce matin, enfin, il n'y a pas de problème. Hein? On va essayer d'en avoir une de l'autre côté, hein. D'accord. C'est parfait. C'est un miroir, hein. C'est parfait. C'est super, je vais revenir avec M. Eric Perras. Justement, on va faire le tour pour voir dans les papiers. Non, c'est très bien. Pour descendre les cages, ouais. Passer un coup de poussière pour les bancs. Là, parce ouais. Que, c'est ça. Et j'ai mis un gars pour faire l'aluminium tous les jours. Ok. Les toilettes, vous avez mis quelqu'un à faire toutes les toilettes? À faire toutes les toilettes, non, je prends encore. Ah oui, pour mettre quelqu'un. Ça, les toilettes, il faut qu'elles soient finies pour midi. On a une personne là-bas, une personne là. Hein? Et puis l'échelle qui est là, il faut l'amener vers le passage Molière. Ouais. Il ne faut pas que ça traîne ici dans les escaliers. L'échelle, ça descend, bien sûr.
ma vie est un jeu ou bien si alors je veux connaître un autre sort. Si on m'oblige à vivre encore, ces accusés vêtus de noir, ils veulent ma vie à pile en face. Non, aucun d'eux n'a pu comprendre qu'on puisse tuer par amour. C'est-à-dire généralement jusqu'à maintenant. Fino ad ora è stato l'ordine la sola cosa che è stata considerata nello studio del mondo. Mentre il disordine non ha mai interessato nessuno. Qu'est-ce que c'est qu'une anamorphose? Eh bien, qu'est-ce que l'anamorphose? Che cos'è l'anamorfosi? Beh, un gioco ottico che fa apparire e sparire gli oggetti come per magia. Il mio primo incontro con l'anamorfosi è avvenuto negli anni 1947-48. Le prime conoscenze dell'anamorfosi le ho avute dal catalogo dell'esposizione surrealista a New York. Quels sont vos monstres favoris? Sono tutti uguali.
Ma famiglia paternelle? La mia famiglia paterna è dell'alta lingua d'oca, del Gérodin, un paese dove si parla la lingua d'oc. De Languedoc. Florence était un paradis. Firenze era un paradiso, un Eden. Era il mondo dell'arte e della cultura e mi ci recai come spinto da un sentimento religioso. Posso dire di aver davvero conosciuto il senso del sacro a Firenze, davanti a Michelangelo in Piazza della Signoria. Tutti questi avvenimenti che sono collegati fra loro, l'interesse per il mondo di Warburg e un certo modo scientifico di procedere, poi il richiamo dell'affettività, l'emozione davanti alle opere d'arte in Italia, tutto questo ha formato, per così dire, il mio anteguerra. La storia dell'arte, sono sempre dei tentativi per capire come si viveva in passato. Non ho una teoria e capisco che deve sembrare un modo strano, veramente strano di lavorare, ma quello che mi piace molto, veramente moltissimo, è una specie di ricostruzione del passato, il tentativo di capire com'era. E voglio dire che per me, a mio avviso, lo storico francese che preferisco è Michelet proprio per questo motivo. C'è chi pensa che le domande a cui cerco di rispondere siano marginali per la storia dell'arte, poco importanti. Io invece sono profondamente convinto che il nostro attuale modo di percepire l'arte dipenda in parte da ciò che riusciamo a disseppellire dal passato, in modo da riportarlo alla vita. And if possible, brought back to life. Così che bisognava studiare il problema dell'arte gesuita. Ed è questo un po' che mi ha poi dato l'idea, molto più tardi, di un libro proprio su come funzionava il mecenatismo nel 600 in Italia. Forse vi chiederete perché ho scelto di occuparmi di storia dell'architettura. Per me la risposta è semplice. Questo campo ha un vocabolario molto preciso. La giornata dello storico dell'arte ha inizio come quella di chiunque altro. In seguito si svolge a seconda dei problemi di cui volete occuparvi quel certo giorno. Lei naturalmente conosce questo quadro che è al Puy. E se la même main? E il vous disait. E diceva, vede la brillantezza del bianco dell'occhio? Guardi bene, è una doppia V. Watteau, Watteau, Watteau. N'était jamais payé au Louvre. Fino al 1945 il Louvre non mi ha mai pagato.
E se non fosse stato per David Vale, che in pratica inventò per me un posto di segretario di un'associazione dei musei di provincia, degli amici dei musei di provincia, e non so proprio come me la sarei cavata, perché erano anni molto, ma molto difficili. Sono voluto anche qui perché ho delle foto da mostrare, come sempre. Beh, guardiamole, guardiamole. Foto difficili, naturalmente. No, perché... guardiamole. Allora, non so, cominciamo con questa, per esempio, un quadro che conoscete bene. Ah, questo è uno dei Giovanni Bellini del Louvre? Sì. Ma Bellini sicuro? Ma io in un primo momento non ci credevo. Mm-hmm. Oggi sì. Mm-hmm. Io ho guardato, riguardato, visto, rivisto moltissimi quadri e poi mi sono fatto mentalmente dei profili di ogni artista. Rubens ha veramente aperto una nuova visione del mondo. Bernini è il più grande allievo di Rubens. Non si spiega Bernini senza i quadri di Rubens, quelli che sono adesso a Grasse. Poi dopo ho conosciuto un personaggio nel 46-47 che per me è stato molto importante, è stato Roberto Longhi, che era un personaggio bifronte. Da una parte era un angelo, dall'altra era un diavolo, da una parte era un genio, dall'altra parte era un uomo di dimensioni piccolissime. Si può essere un grandissimo conoscitore senza essere storico dell'arte. Questo è vero, sì. Non si può essere uno storico dell'arte se non si è un grande conoscitore. Impossibile.